avait dit qu'il avait connu la délégation de Zotter et Rudy. D'autres questions peut-être? L'année dernière, la conférence a été animée par Amadou Elivankan. Quelle est la personnalité qui va donner la conférence pour ce patrimoine littéraire et culture contemporaine? Je voulais garder vraiment la surprise. Parce que simplement, moi, bon, on est obligé de se lâcher. Mais voilà. Je crois que Kamala l'a déjà peint tout à l'heure. Nous avons le professeur Abdoulaye Racine Senghor qui va faire la leçon inaugurale. Car nous avions envoyé la lettre pour lui demander d'animer ou de prononcer la leçon inaugurale. Aussitôt, il a répondu par mail qu'il est aussi d'accord et qu'il est avec nous. Et il a été toujours avec nous. Si vous regardez, vous retournez en arrière par rapport à la première édition, il a été presque sur tous les panels. Donc c'est un monsieur aussi qui conseille beaucoup ce festival. Et nous avons l'honneur cette année de l'écouter. Et nous savons tous ici comment ce monsieur est généreux et comment nous serons vraiment ravis parce que simplement nous le suivons des années et des années et nous l'écoutons des années et des années. Je vous garantis que l'ouverture officielle sera quelque chose de très chaud, parce que quand Racine parle, on l'écoute. Voilà. Un peu l'aspect thématique par rapport à la deuxième édition. Et comme vous le savez, c'est déjà inscrit le thème sur le patrimoine littéraire et culture contemporaine. Nous avons choisi ce thème parce pour une simple raison, parce qu'à un moment donné de la vie aussi, il faut s'arrêter et regarder un peu le parcours, la trajectoire. Je sais que la littérature est très jeune en Afrique, contrairement à l'Europe, mais il y a un parcours. Je crois que c'est le lieu de par ces festivals et autres rencontres que nous pourrions discuter du passé, parce que c'est important, de ce qui a été déjà fait et de là où nous allons vers cette littérature. Je crois que le thème permettra aux débatteurs, aux écrivains qui vont arriver et au public sénégalais, parce que le public est très important pour les publics, parce que sans ces publics-là, les écrivains qui vont être devant n'auront vraiment pas autant d'importance que si le... Voilà, donc nous avons besoin de ce public, et ce public est divers, parce qu'il est constitué d'hommes et de femmes de culture, des étudiants aussi, des universitaires, et des amoureux simplement de la littérature. Donc devant ce public, comme je l'ai dit, il y aura des écrivains qui vont discuter des sous-thèmes, parce qu'avec le thème général, on va décliner les sous-thèmes qui vont prendre en charge beaucoup de préoccupations, je disais ça tout à l'heure, et des préoccupations qui vont être largement vraiment diverses et qui vont aller dans le sens de la construction, dans le sens aussi des choses qui sont concrètes, parce que souvent on a tendance à peut-être que les personnes qui ne sont pas proches de la littérature ont tendance à traiter le rêveur, certains professionnels. Mais c'est sûr que ces penseurs je ne dirais pas de l'avance, mais ont des visions, simplement, qui sont des visions à considérer. Parce que souvent, ces gens-là, il leur arrive de s'installer dans l'avenir et de parler déjà des choses qui ne sont pas là. Donc, c'est simplement des dons que Dieu leur a vraiment offert. Donc, ce qui fait que on va débattre de tout ça, suivant les sous-thèmes, comme je l'ai dit, à partir du thème général. Ce programme sera disponible peut-être 1 ou 10 jours avant l'événement, parce que simplement, c'est des thèmes qu'on adapte, suivant les gens qui arrivent aussi. Parce qu'on veut, dans cette table-là, des spécialistes simplement qui vont pouvoir gérer, maîtriser le sujet, parce que c'est important. Si vous intégrez des gens qui, peut-être, les thèmes ne sont pas leur domaine, ils peuvent, parce que
4 jours, quand même, c'est très petit comme pour parler de l'avenir de l'écriture, de la littérature en Afrique et d'ailleurs. 4 jours, c'est très peu. Mais ces 4 jours-là, nous souhaitons vraiment avoir la crème devant nous pour nous parler. Et c'est là où je vais me glisser à la deuxième question pour les noms qui vont venir, parce qu'il y a déjà des noms qui ont confirmé. Par exemple, je me nommais par exemple Blaise Dalla, qui sera là, qui a eu le premier prix chez Amédou Kan. Il a dit forcément qu'il doit être à Dakar, parce qu'il aime ce pays-là. Nous aurons aussi ceux qui étaient là, certains, par exemple, Samitia qui sera là, ça c'est un grand nom aussi. Et nous aurons Beyrouk, qui sera là aussi, qui a arrêté toutes ses préoccupations, arrêté tout, inscrire Dakar dans son calendrier. Et nous aurons Annie Ferré, nous aurons beaucoup de noms qui vont être là. Nous aurons 8 écrivains ivoiriens qui vont être là aussi. Daniela Boni sera là. Donc nous venons d'Abidjan, vous et moi. Donc si nous n'avions pas arrêté la liste, parce qu'on a dit qu'on a arrêté la liste, on aurait pu avoir plus de 15 mêmes ivoiriens, parce qu'ils aiment ce pays et ses écrivains. Et souhaite aller avec nous, les Sénégalais, dans ce projet. Donc il y a même du Brésil, il viendra quelqu'un, un peu partout, au Portugal. Bon, je pense que ce festival, durant cette année, a connu une petite popularité, je le dirais comme ça, parce que dans les médias à l'étranger, on en parle. Ce qui fait que les gens attendent et aiment le Sénégal. C'est ça le plus important. Je crois que les gens qui nous approchent pour être à Dakar aiment d'abord le Sénégal, de par sa nature et de par sa littérature. C'est important aussi que les gens comprennent cela. Nous avons un pays merveilleux que les gens adorent simplement. Et quand on ouvre un événement comme ça, ils veulent simplement être à Dakar.